Classe égale à HR, Elzoé Kravitz et Karl Glusman sont officiellement séparés, après des mois de procédure. En début de semaine, le tribunal de New York a prononcé leur divorce, comme le rapporte le site d'Entertainment. Les deux acteurs s'étaient dit oui en juin 2019 à Paris, dans la demeure de son célèbre papa. Après 3 ans de vie commune et 1 an et demi de mariage, la future interprète de Catwoman dans The Batman est donc célibataire. Mais selon les rumeurs et nombreuses photos qui circulent depuis peu, la jolie trentenaire vivrait une amourette avec un acteur connu. En effet, la fille de Lenny Kravitz, Elisa Bonet, a été vue à plusieurs reprises avec Channing Tatum. Ce dernier, avec qui Zoé Kravitz travaille sur la réalisation de son premier long métrage intitulé Pussy Island, a également commenté une de ses photos sur son compte Instagram. Sur le cliché en question, Zoé Kravitz pose topless en noir et blanc, seulement habillé d'une paire de collants. Channing Tatum a commenté avec l'emoji verre de whisky. C'est un détail pour beaucoup. Mais sur les réseaux sociaux, ça ne passe pas inaperçu. Le site People nous informe que l'acteur de 41 ans, papa d'une petite Everly, 8 ans, fruit de son union avec son ex-femme Jenna Dewan, a été vu en compagnie de Zoé Kravitz dans la semaine. Les deux acteurs ont notamment été aperçus alors qu'ils se baladaient à New York le 28 août, voire Diaporama. De quoi alimenter les vives rumeurs d'idylle. Celle qui interprète Bonnie Carlson dans la série Big Little Lies ne semble pas totalement en froid avec son ex-mari Karl Glusman, que l'on a pu voir dans le film Greyhound avec Tom Hanks. Puisque les deux acteurs se suivent toujours sur Instagram, aucun des deux n'a commenté la fin de leur mariage, on ne connaît donc pas, encore, la raison de leur divorce, après 18 mois d'union.